Hey, bonjour à tous les amis, c'est Jérôme M Voyance. Bienvenue sur ma chaîne de voyance. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour un sujet de politique de nouveau, vu que j'ai fait un peu de sport, j'ai fait un petit peu de politique maintenant. Et en fait, tout simplement, c'est pas vraiment de la politique, mais c'est vraiment sur un état de santé, sur Anne Macron, bien évidemment, vu que apparemment c'est une personne qui intéresse voilà beaucoup les gens et notamment vous mes abonnés. Vous aimez savoir ce qu'il nous réserve un petit peu en général et ce qu'il nous prépare et tout. Et là en fait je vais tout simplement faire un tirage sur son état physique, sur sa santé notamment, même si certains vont me dire oui c'est interdit de faire sur la santé des gens, c'est pas bien. Bon, après, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Donc du coup voilà, je m'intéresse à ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, en ce moment, il y a plein d'images de lui qui ressort avec des photos de lui parfois où il est dans un sale état, où il a l'air vraiment fatigué et tout. Donc voir un petit peu s'il est vraiment en bonne santé ou pas. C'est le but de cette vidéo. Si le tirage vous plaît, les amis, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me fera très plaisir, voilà, et j'aimerais bien vous partager mon travail si ce n'est pas encore le cas. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, voilà. Et surtout, le plus important pour moi, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Sais même pas pourquoi, mais ça m'étonne même pas quand il s'agit de lui. Tout le tirage est quasiment négatif en fait, hein. La seule carte, et encore, elle a été tirée à l'envers. Il s'agit du battleur. Cette carte nous indique clairement que voilà, il y a vraiment beaucoup d'égoïsme chez cette personne. Il n'a plus en ce moment les capacités voilà, de prendre les bonnes décisions. Il prend toujours des décisions, et notamment des décisions irréfléchies, très rapidement, voilà, sans penser aux conséquences qu'il peut y avoir derrière. Ensuite, on a le pendu qui est ressorti. C'est la carte de l'erreur, voilà, de l'erreur, du mauvais jugement aussi. Donc beaucoup d'erreurs dans ses prises de décision. Il est clairement fatigué. Très très fatigué. Il va avoir besoin de plus en plus de repos. C'est pour ça qu'il se peut que dans l'actualité prochaine, vous ayez beaucoup d'actu qui dit voilà, Macron est là, Macron est ici, Macron est en repos, des trucs comme ça, parce qu'il va en avoir vraiment beaucoup. Tout simplement, puisque soi-disant, voilà, son travail est très pénible. Voilà. C'est ce qui ressort. Par rapport à lui, aucune attente à avoir, aucun espoir à espérer. C'est vraiment, voilà, il finit son mandat, ça c'est une chose claire et nette. Puis normalement, plus rien, sauf trucage de, voilà, par la suite. Ouais. Ensuite, on a clairement l'événement catastrophe qui ressort par rapport à lui, toujours, hein, la maison de Dieu. Donc on est sur quelque chose d'assez catastrophique, de l'insouciance, du laisser-aller. Au niveau de son état physique, santé, beaucoup d'inconscience toujours dans ses prises de décision, de la fatigue, de nombreux maux de tête. Et il y a toujours ne rien espérer de sa part, ne rien espérer, ne rien tenter. Voilà. Toujours la même chose. Donc lui, on peut dire clairement qu'il est fragilisé et que sa santé est en train d'en prendre un coup. Manque de contrôle dû à la fatigue, mauvaise impulsion et mauvaise décision, incite au plaisir et aux abus. Voilà, subition du destin. Je vous dis clairement ce que les cartes ressortent. Et enfin, la lune, la déception. La déception.
l'inquiétude et la peur de sa part. Ouais, je pense qu'il s'est mis dans une situation dans laquelle il ne réalise pas les choses parce qu'il est protégé. Voilà, pour le moment, il est protégé. Il est un petit peu dans sa bulle malgré la fatigue et tout. Mais pour son ouais, petit à petit, il réalise que ce qu'il va faire, c'est ça va se retourner contre lui. Il y a l'inquiétude, la peur et la santé qui est clairement chancelante. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas, mais petit à petit, ouais. Il est très très fatigué, il y a de l'impuissance, de la fragilité et même une opération qui est possible pour lui. Donc c'est clairement, c'est pas la joie, hein, c'est grave. Oui, le titre correspond bien à mon tirage, moi je vois gravement malade pour petit à petit. Il est malade de toute façon, santé physique, santé, voilà. Il est très fatigué, clairement, les cartes ne mentent pas. Voilà, j'espère les amis que le tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser le maximum de pouces bleus, à me donner vos avis dans les commentaires, à venir rejoindre ma chaîne en vous abonnant, vous serez les bienvenus. Et vous pouvez notamment me joindre sur ma page fan Facebook Jérôme M Voyance. Je vous fais de gros gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Pour ceux qui ne reviendraient pas sur ma chaîne, alors demain il y a un tirage sur les manifestations. Moi je vous fais de gros bisous et je vous souhaite d'avance un bon week-end. Et je vous dis à très vite.